My head tells me that I need to let this woman go and find someone more stable, more truthful, and with more reciprocal desire for me. But my heart reminds me that every time I trade the crazy for the submissive one, I get bored. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien. Depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, tu connais déjà. Mets un petit j'aime parce que si on chiale pas pour vous dire les gars, mettez un petit j'aime, c'est pas un quand même. Là vous mettez des j'aime, sinon vous mettez pas. Donc voilà, mets un petit j'aime ici, c'est Jonathan Hachi. L'idée de la chaîne, c'est pour te permettre d'être déter, passer avec secret ta vue sur mesure. Et pour ça, il y a deux choses que je te propose. C'est mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. C'est complètement gratuit, c'est offert avant de créer à l'arnaque. Regarde quand même, ok? Et deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing que tu peux accéder via le CPF. Je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5000 euros par mois. Et en plus de ça, tu auras accès aussi à un incubateur qui donne du coaching, plus le bonus complémentaire e-commerce. Ouais. Si tu veux en savoir plus, tu cliques sur le lien qui est dans la description. Okay, tu es libre de pouvoir accéder à un appel complètement gratuit avec mon équipe. Et tu pourras poser toutes tes questions, voir voilà, si ça te va ou est-ce que ça peut t'aller. Et si jamais tu passes à l'action, sache que ça prendra 2 à 5 ans pour pouvoir devenir indépendant financièrement. C'est pas la fête du slip, c'est pas magique, ça sert à rien, tu perds du temps si tu cherches un raccourci. Hein, mais pas de ce que j'ai grandi avec vous dans 91, j'aurais oublié mon BEP trop technique. On a grandi dans le quartier des pyramides, ok. Et ça fait plus de 3 ans qu'on voyage, j'ai découvert le business en ligne, j'avais plus de 30 ans. Donc arrête de chialer, si tu fais rien, il va tout simplement rien se passer. Et passons directement au sujet de la vidéo. Donc petite vidéo réaction les gars sur un contenu de Rich Cooper, ok, le gars qui a écrit le livre Unplug Alpha. Donc j'espère qu'il va pas faire sauter la vidéo. De toute façon je vais le marquer sa chaîne Entrepreneur NK. Voilà, comme ça on est bien Rich. T'inquiète pas, nous on est là, on apprécie le travail, on respecte le travail. Voilà, je vais juste faire une petite vidéo réaction tranquille. Hein. Donc je te laisse regarder la vidéo et on en rediscute. What's up, my brothers? We got a sponsored request from a gentleman whose topic says, finding a woman who pushes all of my buttons. So he says, I'm 32, divorced, and own my own business where I make over $500,000 a year. I've read your book a couple times, would appreciate some input. My ex-wife is a submissive and stable woman. She had genuine burning desire for me. That's chapter 3 out of my book. She was faithful, but we did not have engaging conversation and did not share many interests. Eventually, I felt suffocated by her and had to leave. My current romantic interest is super hot, smart, funny, playful, and flirtatious. She's an alpha type. Oh boy, here we go. She maintains strong eye contact. We can have deep conversations, but still keep the romance alive. She keeps me on my toes, challenges my thinking, and overall keeps me much more engaged. The downside, here we go, is that she's a walking red flag. What do I keep telling you guys? You love complicating your life and then justifying why you do it, right? At first, I thought she was a good girl, he put that in quotations, with a lot of spunk, but slowly started to realize other stuff was going on. She craves attention from men and keeps in touch with a lot of male orbiters. As we talked more about our childhoods, I realized she definitely has daddy issues. In addition, I found out over the next few months that she lied about her age. She said she's 23 when she's 26. She lied about her job. She said she was a hostess. Well, she's actually a stripper. On top of that, she doesn't show a lot of genuine desire for me, although she does reach out and want to see me regularly. But overall, she doesn't seem like the type of woman I should be in a long-term relationship with. All right, well, let's see where this goes. And yet, I'm so attracted to her. For sure, the sex is great, but it's deeper than that. I'm emotionally and intellectually attracted to her. She's darkly magnetic and so he's basically defining a siren. She's darkly magnetic and intriguing and ways keep me wanting a lot more. I actually like who I am when I'm around her, more confident and more humorous. After reflecting on other relationships I've had, I feel like this is a common theme. The stable, submissive women who have high desire for me feel too easy for me after a while. I get bored and want to move on. The seductive, deceitful women who don't really care about me are dastardly attractive and make me feel alive. But my red flag radar goes off constantly and eventually pushes me to leave them. So what do? My head tells me that I need to let this woman go and find someone more stable, more truthful, and with more reciprocal desire for me. But my heart reminds me that every time I trade the crazy for the submissive one, I get bored. Are there any interesting women out there without red flags? Am I just addicted to drama? And what does this say about me, and how can I become a better man? So his ex-wife was submissive and stable, genuine desire, faithful, didn't have engaging conversation. So I didn't hear gorgeous, I didn't hear beautiful in the ex-wife. Although with the stripper,
I get super hot. So obviously he's got more physical attraction. Donc voilà, ce genre de cas, j'ai envie de te dire, je suis pas sûr que ce soit un bon move. Là, je suis pas sûr que ce soit un bon move. Tu quittes une femme qui est féminine, qui prend soin de toi pour aller vers une stripteaseuse. Et encore à la limite, c'est une stripteaseuse, etc. Il y en a qui disent, ouais, tu es dans le jugement, etc. Commence pas. Faut qu'on reste vrai. Si un homme peut choisir entre une femme qui a les mêmes qualités, mais il y en a une qui est stripteaseuse et il y en a une qui a un travail normal, le gars ira vers la femme qui a un travail normal. Enfin, je comprends pas pourquoi. Genre aujourd'hui, maintenant, genre les gars n'ont pas le droit d'avoir de standard, quoi. En fait, nous, on doit tout accepter. Par contre, les femmes, elles, c'est normal qu'elles aient un standard super élevé, quoi. Elles choisissent que les 10%, 10-20%, voilà. Nous, par contre, nous, on doit tout prendre, sinon, misogyne, quoi. Misogyne, grossophobe, enfin... tu veux dire, la beauté, c'est une construction sociale? Donc, non. Ça, c'est bullshit. C'est pas vrai, ok? Personne n'a envie d'avoir la mère de ses enfants en train de tourner sur tous les réseaux sociaux parce qu'elle a des vidéos où on voit ses fessiers, où elle est en train de twerker, ou je sais pas où. Non. C'est sexy. Oui, ça paraît sexy, c'est là que les meufs sont dans la confusion. Oui, évidemment, l'homme trouve ça sexy. Mais quand c'est pas sa femme, quand c'est pas la mère de ses enfants, oui, quand c'est une meuf comme ça, voilà, pour court terme, machin, ouais, ça c'est bien. Là, on est bon. Mais jamais de la vie, le gars il se dit, j'ai envie de la marier, tu vois. À moins que le gars, il n'ait pas beaucoup d'options. Et donc, du coup, il se dit, bon, bah vas-y, c'est pas grave. Il passe outre. Mais s'il a le choix, il choisira jamais une femme qui est pareille, même beauté, féminine, et elle a un travail normal, et l'autre, elle est stripteaseuse. Bref, ça va fermer la parenthèse. Donc du coup, le gars, très mauvais move, au-delà du fait qu'elle soit stripteaseuse, il n'y a que des red flags dans tous les sens. Et tu en es conscient. Mais en fait, qu'est-ce que tu veux, en fait? En fait, qu'est-ce que tu veux? J'ai même pas compris qu'est-ce qu'il lui a de... Tu lui poses... Quelle question tu poses à Rich? Get a Rich. Qu'est-ce que tu veux qu'il te dise, en fait? Incroyable. Tu sais déjà, en fait. Tu sais déjà que t'as déconné, que la meuf que t'es en train de chercher, c'est la meuf que tu avais déjà. C'est aussi simple que ça. La meuf que tu es en train de chercher, tu l'avais déjà. C'est stupide. C'est complètement stupide. Donc après, tu imagines le trauma pour la meuf. Meuf, elle se dit, mais je comprends pas, j'ai tout fait. Les gars, ils disent féminine, tout ça, s'occuper de son gars. J'étais là, je comprends pas, en fait. T'imagines? Après, la meuf va commencer à avoir des traumas, elle va se méfier de tous les gars, machin. Non, les filles, si vous êtes féminines, continuez comme ça. Ok, c'est juste lui, c'est... Fallait bien qu'il y en ait un qui pète les plombs, qui dit n'importe quoi. Donc après, quand il pose la question et qu'il dit... ouais, mais c'est quoi mon problème avec moi? Bah, en fait, le problème. Après, là, j'exagère un peu, je sais un petit peu pourquoi, enfin, j'imagine pourquoi, c'est quoi son problème exactement. S'il est attiré par la stripteaseuse, c'est pas compliqué, c'est parce qu'elle est fraîche. Ok, c'est ce qu'il a dit quand il l'a décrit. Elle est fraîche, etc. Et c'est pas des mots qu'il a utilisés pour son ex. Ok, maintenant, tu pars pas, tu quittes pas ta meuf parce qu'elle est pas assez bonne. Tu vois ce que je veux dire? Même si je comprends, je te comprends, oui, tu voudrais, machin. Mais c'est pas compliqué, les gars, faut réfléchir, faut utiliser son cerveau. À un moment donné, la solution, c'est quoi? C'est ta meuf, elle est pas assez bonne, tu trouves qu'elle est pas assez bonne et que tu n'es pas assez attiré par elle, bah, tu l'envoies à la gym, bah, tu l'envoies à la salle de sport. C'est pas compliqué, en fait. Même de liker des boules sur Instagram toute la journée, eh ben, ta femme, elle te kiffe de ouf, elle a un burning desire pour toi, elle a un désir ardent pour toi. Tu dis, bah chérie, vas-y, viens, on va aller à la salle de sport ensemble. Et voilà, le problème, il est réglé. Tu lâches pas ta meuf, ta femme, parce qu'elle n'est pas assez bonne. Alors, c'est pas ce qu'il a dit, mais si tu lis entre les lignes, et puis entre comme, on se connaît. Hein, donc, si tu es prêt à aller avec une meuf, c'est une stripteaseuse, il y a des red flags dans tous les sens, elle t'a déjà menti, c'est du n'importe quoi. En plus, tu parles de problèmes avec son père et tout. Tu sais, c'est, comme il dit Rich, les gars ont une facilité à se compliquer la vie et de justifier pourquoi. Tu veux aller là, mais tu veux juste mourir, en fait. Qu'est-ce que tu veux, en fait, quand tu vas aller là-bas, là? Non, tu aurais dû rester avec ta meuf, la meuf que tu cherches. C'est la meuf que tu avais, tu l'auras inscrit à la salle de sport, vous serez allés ensemble, tout se serait bien passé. Il n'y aurait pas eu de problème. Là, un bon coach, boum, voilà, et tu aurais eu ce que tu voulais, en fait. Et donc, du coup, j'ai fait aussi cette vidéo-là parce que ça me permet de parler d'une vidéo que je voulais déjà faire. Mais après, j'hésitais, je disais, ah, je ne vais pas faire ça. Mais finalement, je vais pouvoir l'aborder dans cette vidéo réaction, c'est comment choisir sa meuf. Le problème avec le gars là, ce qu'il a rencontré, c'est qu'il cherche en fait ce qu'on appelle une sirène en fait. Il cherche une femme, je dirais pas qu'elle n'existe pas, mais ça n'en est pas loin.
Ok. Si jamais, pour une relation long terme, tu cherches à avoir un 10 qui est féminine, comme la femme qu'il avait, féminine, qui prend soin de toi, qui est soumise, tout ça, dans le bon sens du terme, les filles, quand même. On va pas jouer la mauvaise foi. Hein. Tu comprends ce que je veux dire quand je dis soumise, qui suit le lead de l'homme. D'ailleurs, tu cherches un leader, donc ça me paraît sensé que tu sois pas aussi un leader. Il peut pas avoir deux leaders dans la même équipe. Donc, si tu cherches une femme qui est féminine, qui s'occupe de toi, soumise, et qui est super bonne, qui est super fraîche, tout ce que tu veux, ça va être compliqué. Faut qu'on soit sérieux. Ça va être compliqué, les gars. Les 10, là, elles reçoivent des DM de milliardaires constamment. Milliardaires, Jean Famous, des Neymar, des gars de la NBA, des gars de la NFL, des gars de la Ligue 1, des gars de partout, de Dubaï, de Miami. Ça invite les gens sur les yachts, des trucs comme ça. Tu cherches des problèmes. Qu'est-ce que tu veux? Tu cherches des problèmes. C'est ça, c'est une meuf comme ça que tu veux pour femme. Alors après, pas de souci, mais sur la seule condition, c'est qu'elle ait un burning desire pour toi. Ça veut dire qu'elle ne voit que toi. Ça veut dire que sur Instagram, elle est prête même à le couper. Déjà, normalement, son Instagram doit être privé. Voilà. Donc si jamais il n'est pas privé, déjà, il y a un problème. Et les gars, ils vont passer sur tous les red flags comme ça parce qu'elle est super fraîche. Mais c'est normal qu'après, ta vie, elle est compliquée. C'est normal qu'après, elle part avec la moitié de ton argent, ou c'est normal qu'après, elle va voir ailleurs, ou c'est normal après qu'elle se barre après au bout de 2 ans. Parce que les gars, ils essaient d'esquiver tous les red flags juste parce que physiquement, elle est fraîche. Moi, ce que je dirais, c'est si jamais tu es déjà avec ta femme et que ça se passe bien, que c'est une femme qui prend soin de toi, qui est féminine, que c'est une qualité d'une épouse, tout simplement. Eh ben, si physiquement, t'es pas trop attiré, ben, tu l'envoies à la gym. Tu l'envoies à la salle de sport, tout simplement. Inscription à la salle de sport, voilà, tu la motives, vous allez ensemble s'il le faut. Voilà, c'est une question d'habitude. Une fois qu'elle aura l'habitude d'aller à la salle de sport, après, elle ira et elle sera contente. Et de toute façon, elle voudra te faire plaisir parce que c'est une femme bien. Donc, elle voudra te faire plaisir, elle sera contente d'aller à la salle de sport. Même pour elle, elle va se sentir mieux. Enfin, je veux dire, tout le monde est content. Si jamais tu es déjà avec elle. Et si jamais tu n'es pas encore avec elle, enfin si tu es célibataire plutôt, à ce moment-là, essaie de jouer entre les deux, tu vois. Essaie de partir sur tout. Parce que les gars, vous, comme j'ai dit, les 10, les gars, les 19, c'est compliqué. À moins que tu sois vraiment un Drake. Et même un Drake, les meufs, elles jouent leur maline. C'est quelle meuf j'avais fait une vidéo réaction où la meuf, elle faisait sa maline avec Chris Brown. Tu imagines? La meuf, elle faisait sa maline avec Chris Brown. Genre, je sais plus c'était quoi le souci, mais genre, il avait dit un truc qu'elle avait pas trop aimé. Elle a dit, écoute, déjà, moi, je suis là, genre, parce qu'il avait fait une after party, mais il avait dit tous les portables, vous les laissez à l'extérieur, etc. Et elle faisait genre, non, mais attends, c'est moi plutôt qui devrais te demander de laisser ton portable à l'extérieur pour pas que tu prennes de photos, pour pas qu'on nous voit ensemble. Bon, tu vois, elle fait des blagues, même si c'est une blague, mais quand même, à la fin de la blague, elle a dit, ouais, parce que si je suis là, c'est parce que Drake, il est pas en ville en ce moment. Non, mais, t'imagines? Ça veut dire, imaginons, Chris Brown, il dit, ah, vas-y, on est ensemble et tout machin. Dans sa tête, elle se dit, ouais, bon, je suis avec toi, mais bon, genre limite, c'est toi qui as de la chance, quoi. Même si elle rigole dans un même, tu sais, elle rigole, mais en même temps, c'est pas vraiment de la rigolade, c'est un petit peu vrai dans sa tête. Ok? Donc elle se dit, je suis avec Chris Brown, mais bon, si je veux, je peux être aussi avec Drake. Donc bon, voilà. Même si on est d'accord, les gars, qu'elle est se fourvoir complètement sur le type de relation qu'elle a avec ces hommes-là. Hein. C'est juste du court terme. À aucun moment, elle peut aller avec Drake et avoir une relation long terme avec lui. Ouais, elle va coucher avec lui, voilà. Toujours dans la confusion, ces femmes-là, mais ça, c'est encore notre sujet, tu sais déjà. Mais dans tous les cas, au final, dans sa tête, elle se dit, ouais, je suis avec toi, alors que c'est Chris Brown. Je suis avec toi, je suis dans ta soirée, mais bon, je pourrais être avec Drake. Hein. Alors imagine, toi, t'es un gars normal. T'es un gars normal. Qu'est-ce qu'elle va se dire? Donc c'est pour ça, la base numéro 1, on revient toujours à la base. Il faut qu'elle ait un désir ardent pour toi. Elle voit que toi. Tu sais très bien c'est quoi, ce que ça veut dire. Quand une meuf, elle te kiffe de malade, elle est prête à d'aide pour toi. C'est une femme comme ça que tu veux. Et il ne faut pas négocier avec ça. Sinon, c'est sûr que tu vas te créer des problèmes parce que tu vas essayer d'esquiver les red flags. Oh, c'est pas grave, oh, c'est pas grave. Oh non, c'est pas grave ça aussi. Oh, ça, c'est pas grave aussi. Donc du coup, moi, je dirais que partir sur une relation long terme, arrête, faut pas aussi que ça soit... Alors, j'allais dire, évidemment, tu me vois venir, donc baisser un petit peu ses standards, ce que les femmes ont vraiment du mal à faire. Mais nous, les gars, soyons plus intelligents. Baisser les standards, partir sur un truc où tu te dis, bon, arrête, il faut quand même que tu sois attiré physiquement. Tu vois, je ne dis pas de partir sur un 3, tu vois. Mais voilà, un bon 6, après, ça dépend des gars, voilà. Mais un bon 6, 7, 8... 6, 7, 8, entre 6 et 7 et 8, je pense qu'on est bon, tu vois.
Déjà, même quand tu arrives à 8, déjà, ça peut être un peu relou. Déjà. Mais bon, si ça dépend où est-ce que toi, tu te positionnes. Mais entre 6 et 8, je pense qu'on est bon. Okay, c'est mon avis perso. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité absolue, les gars. Je vous partage en fonction de mon expérience aussi. Voilà. 6, 8 et même 8 déjà. Je dirais même un 7. Un 7, 7,5, tu vois. Un 7, ah, le meilleur. Un 7 ajustable, 8. Ça veut dire, elle a un 7 quand elle est fraîche, sans maquillage, sans rien. Et quand elle met du maquillage et met des talons, elle bascule en 8. Ok ? Ça, c'est bien ça. Ça, c'est parfait ça. Pour moi, ça, c'est bien ça. Voilà, comme ça, tu as les deux. Elle est assez consciente, elle sait qu'elle n'est pas un 10, qu'elle n'est pas un 9, qu'elle n'est pas un 10 modèle. Elle sait qu'elle plaît quand même, mais tu vas trouver des sets qui sont féminines, qui font à manger si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, bref, qui sont féminines. Voilà, tu peux trouver des sets ajustables 8 qui sont féminines, qui prennent soin de toi, etc. Okay, si tu ne la trouves pas en France, tu peux bouger. Voilà, bah, les gars, il faut créer votre business en ligne. Hein. Ouais, mais comment je suis pour bouger? Bah, créer votre business en ligne, les gars. À la base, je fais mes vidéos pour ça. Comme tout ce que je vous raconte là, c'est pour vous dire au final, les gars, travaillez sur vous. Okay, plus tu vas travailler sur toi, plus tu auras des options. Parce que les 7, c'est quand même des femmes hyper gammes. Hein. Donc, si jamais les femmes, c'est des 7, ça veut dire que toi, tu as un 8 pour qu'elle ait un burning desire. Okay, si jamais tu veux savoir ta note sur le marché du célibat, regarde les femmes qui ont un burning désir ardent pour toi et tu sauras exactement où tu en es. Si jamais la femme qui a un burning desire pour toi, c'est un 7 ou un 6 ou un 5. Si c'est un 5, tu sais que tu as un 6 toi ou un 7. Voilà. Et ainsi de suite. Ok? Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Je pense que j'ai fait le tour. Mets un petit j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si tu n'as pas aimé. Tu as Zeus en description, le secret de la nature féminine. C'est la base, les gars, aujourd'hui. Et tu ne peux pas naviguer dans le marché du célibat sans même connaître ça. Ça, c'est sûr. Surtout pour tous mes nouveaux, les gars qui sont divorcés, là, qui viennent de se divorcer, qui viennent de se séparer. Même ceux qui n'ont pas. Tout le monde. Tout le monde. Ok. Tu as Funnel Tinder aussi. Évidemment, Pirate Marketing, c'est la base, les gars. Il faut devenir indépendant financièrement. De toute façon, il faut être au top partout. Tu as compris ça. Ok, on lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux, il y a nous. Tu es ton camp.